Il va revenir à tous les coups. Et elle va avoir une portée, je le sens. Elle va revenir avec un cadeau. Histoire de bien pourrir l'ambiance. Bon, allez, valide-moi ça. Allez, on y est presque. Encore 1 heure. Et voilà, magnifique! Ah, il va falloir une échelle horizontale. Obtenir le meilleur score. Hein. Jouer à commandant du clavier. Vas-y, arrête-toi. Ah, tu vas peut-être aller dormir. J'ai presque envie de la faire dormir dans le lit de ses parents, histoire d'être tranquille avec le monstre. De toute façon, les parents, ils vont jamais dormir en même temps, donc ça va gêner personne. Allez, dormir. Au moins, elle ne me réveillera pas au milieu de la nuit parce qu'elle a vu un monstre imaginaire sous son lit. J'aurais dû faire ça, mettre un lit de place direct. Allez, 18h30 au lit, c'est normal. Ah bah, la mère vient dormir avec elle. Ah non, elle vient pleurer. La mère est au bout de sa vie. Voilà. Je sais pas où ils sont partis dormir, tout ça. Elle est partie danser. Voilà, magnifique. Le père cuisine, mais quand je vois la gueule du gâteau qu'il nous a fait en début de live, je me dis que c'est peut-être pas forcément une bonne idée non plus qu'il cuisine. Mais bon. Oui, ça me dérange de privatiser la salle de bain. Faut quand même qu'ils y accèdent. Ils vont faire pipi partout, sinon après. C'est pas possible. J'ai déjà le chien, s'il revient un jour, qui pisse partout. Et bah, en plus, mettre le reste de la famille, quoi. Puis voilà quoi, moi je privatise pas les portes, au moins je me retrouve pas avec des colocs forcés qui peuvent plus sortir de la maison. Hein? N'est-ce pas? Je comprends pas, elle part pas. Bah, elle part pas, t'as fermé les portes aussi. On peut partir. Bon alors, elle en est où elle? Mais impuissant. Mais je m'en fiche, ça. Deux enfants ont été méchants, elle se défend ton amie. Voilà. De toute façon, j'ai pas le choix. Allez, tu finis de dormir. Ah, oh, ils ont cassé la cuisine. Mais c'est pas possible, ils vont me ruiner. Voilà. Ah non, non, je veux pas embaucher un... Non, c'était une blague. Hop, et hop. Un mariage, on s'en fiche. On s'en fiche. Ça commence à plus aller du tout par là. Allez. Quelle heure il est? Je ne vais pas te lever trop tôt non plus. 3h du matin, mais on dort encore un petit peu. Au moins jusqu'à 5h. Elle serait pas partie. Elle serait pas partie. Tu n'y as pas laissé beaucoup le choix quand même. Hein, excuse-moi. Hein. Puis même moi qui suis blonde, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un bug au niveau de la porte. Donc tu aurais dû y penser, tu n'as pas d'excuses. Alors, quelle heure il est? 4h, on a dit, on attend 5h du matin. Allez, hop. Utiliser. Non, tu veux pas. Ah bah non, ta mère y va d'abord. Pourquoi elle veut pas? Parce qu'il y a sa mère dessus? Bon, ok. Manger du yaourt. Voilà. Et après, tu iras aux toilettes et prendre une douche, mademoiselle. Utiliser, prendre une douche. Puis après, tu iras peut-être jouer au commandant du clavier en attendant le début de l'école. Voilà. Ouais. T'as toujours des bonnes excuses, Missy. T'as jamais tort. C'est jamais ta faute. Allez, un yaourt. Un petit déj en famille, c'est beau. De toute façon, ils mangent jamais ensemble. Alors. Et j'avais pas loué une femme de... Mais alors, tu vas dégager de la salle de bain tout de suite. Parce que déjà, tout à l'heure, elle a pas pu faire pipi à cause de toi. Oh, putain. Voilà. Et maintenant, elle est traumatisée. Elle est triste parce qu'il lui manque son chien. Et l'autre, elle est dans la douche.
T'as raison, j'aurais dû privatiser la salle de bain quand un Sims. Non, mais je sais bien, mais avoue quand même que tu l'as pas aidé à s'en aller. Allez, utiliser. Prendre une douche, vite, avant que l'école commence. Bon, allez. Normal que tu te fasses piquer ta place sur la salle de bain, t'as toujours 15 plombs à y aller, quoi. C'est pas possible. La douche. Non, mais tu iras te laver les mains après. De toute façon, tu vas aller à la douche. Tu vas te les laver les mains. Allez. On n'a pas le temps, là. Allez, faut aller à l'école. Hop. Donc, le but d'aujourd'hui, ça va être de se trouver des amis. Ou un ami, du moins. Alors, se faire des amis. Voilà, parce que pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'amis qui vont à l'école. Là, ils ont tout cassé encore. Ils m'énervent! Ouais, vas-y, ça, je remplace par un, tant pis. Non, non, je remplace pas. Mais si, elle aurait fini par partir. Tu la séquestres, elle va pas se barrer, c'est sûr. Mais si tu l'avais pas séquestrée... Peut-être, elle serait partie, tu sauras jamais. Bon, le courrier a été distribué. Alors, s'il y a des factures, on va aller les payer avec le père. Payer les factures, et hop, on repasse sur Lola. Donc, payer les factures, c'est une des circonstances pour lesquelles on peut prendre le contrôle, en fait, d'un autre membre du foyer. Interview, on s'en fiche. C'est le frère. Il nous sert à rien. Bon, tu t'en trouves des amis ou... Il faut que je t'aide. Ouais, ouais. Mais ça, tu vois, on pourra jamais en être sûr. On pourra jamais en être sûr. Bon, allez. Ah, pas d'amis. Je sais pas, il n'y a pas d'enfants à l'école. Regarde, des enfants, ils sont pas à l'école. Pourquoi t'es pas à l'école, toi? Hein? Si t'étais à l'école, elle pourrait devenir ton amie. Allô? L'école finit dans 2 heures et elle a toujours pas d'amis. Je suis bien se faire des amis, pourtant. Oh là là, ça commence bien. Ah bah si t'en es sûr alors. Bon bah je crois que c'est mort pour les amis. On va continuer à bosser les compétences hein, parce que... On va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah bah voilà. Alexandre. Vas-y, prends Alexandre. Alexandre Gothique bien sûr. Hop, qu'est-ce qui se passe? Il y a un A, un projet scolaire. Voilà, magnifique. Donc lui, c'est ton futur meilleur ami. Voilà, vous ne le savez pas encore. Mais tu vas devenir pote avec Alexandre Gothique. Alors, donc on va y aller gentiment. Tu vas être gentil, discuter des centres de d'intérêt. Vas-y, on va mettre les play. Ensuite... Amical. Demander comment c'est. Elle est toujours triste parce que le chien est toujours pas rentré. Demander si Sansa va rentrer à la maison. Je tiens à préciser que Sansa, c'est le jeu qui l'a appelé comme ça, même si j'aurais très bien pu le faire moi-même. Ok. Eh ben écoutez, faites-vous plaisir dans la piscine. Ça aide à se faire des amis. De toute façon, la piscine, c'est bien connu. Ah, c'était juste pour tremper tes pieds, Alexandre. Faut pas rêver non plus. Amical, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parler des jouets, de choix amical, parler de son animal préféré, plus de choix amical. Faire connaissance. Oui, donc visiblement, Alexandre aime bien tremper ses pieds dans la piscine.
C'est son kiff. C'est pas grave, fais-toi plaisir. C'est un rat de bibliothèque, magnifique. Allez. Non, non, mais reste là, tu dois devenir mon ami. Ouh. Ah, puis l'autre, elle pleure sur sa piscine. C'est pas possible. Allez. Non, tu dois être ami avec Lola, pas avec le dragon. Celui-là aussi. Discuter des centres d'intérêt. Non, mais ils m'aident pas beaucoup, hein, franchement. C'est pas gagné. Elle s'est arrêtée en route, on sait pas pourquoi. Ah, ça y est, elle est concentrée maintenant. Allez, concentre-toi sur Alexandre, s'il te plaît. Partager des idées brillantes, oh, ça doit être un génie au moins celui-là. Plus de choix, amical, demander comment s'est passée la journée. Choix amical, plus de choix, parler des jouets. Voilà, magnifique. Ah, je suis pas sûre. Hop. Hop. Ah, ça a bugué. Je suis pas sûre que j'ai cliqué. J'étais pas content. Allez, ça va devenir ton nouveau meilleur ami. Et vous allez faire les 400 coups à l'école. Si le chien pouvait revenir, ça nous aiderait grandement au niveau du moral. Demandez comment s'est passée la journée. Ça va assez loin quand même, hein. Demandez conseil. Amical, discute des centres d'intérêt. Amical, voilà. Joue à faire semblant, je ne sais pas trop ce que c'est, on va voir. Allez. Hop, hop, hop. Les autres, ils sont au bout de leur vie, ils savent plus quoi faire. Tant pis, je ne peux rien pour vous, j'ai pas le droit de vous contrôler. Non, non, mais reste ici, reste ici. Oh là là. Lui aussi, je vais le séquestrer. Est-ce que si je le séquestre, ses parents vont débarquer? Je ne sais pas. C'est à tenter. S'enthousiasmer à propos des bonbons. Ah, ça y est, on devient pote là. Connaissance, c'est tout. Eh bah, dis donc. Hop. Et puis, le temps qu'on lui demande comment s'est passée la journée, on va finir par le savoir. Parler des jeux. Parler de son animal préféré. C'est un truc d'intérêt. Puis on va arrêter pour ce soir parce qu'elle commence à avoir faim, donc tu vas rentrer chez toi et puis on se rappellera demain. Ah, ce serait bien qu'on devienne meilleur ami quand même, parce que ami, ouh, on est ami, super. Hop, ça a l'air d'être un génie le gars. Ouais, plus rien faire. Parler des jouets. Allez. On est amis. Et ça, c'est vachement bien. Non, mais reste. Non, mais pourquoi tu t'en vas? Reste, mon petit. Non, il ne veut plus rester. Bon, bah tant pis. Allez, va manger ta compote, ton yaourt ou ton sandwich. Allez, sandwich jambon fromage. Mais si, va revenir. Fais rien, on fait que discuter. Et puis, je lui demande 40 fois comment s'est passée sa journée. Mais à part ça, ça va, quoi. Ensuite, ça va, c'est Alexandre Gothic, c'est pas non plus le mec le plus populaire de la Terre. Bon, une fois qu'il a une amie, il peut y aller quand même. Allez. Hop, un petit tour aux toilettes. Et puis après, tu vas jouer au commandant du clavier pour essayer de battre ton record. Il faudra qu'on aille faire un petit tour sur l'échelle horizontale.
On l'a traversé 3 fois. Tu verras, je suis sûre que demain, Alexandre, il va vouloir revenir. Suffit de l'inviter. Dès qu'elle rentre de l'école, elle l'invite tous les soirs. Et ça va devenir son nouveau meilleur ami du monde entier. Voilà. Donc, il faut que j'attende jusqu'à ce que je gagne et obtenir le niveau 10. Sansa est revenue. Magnifique! Alors, j'ai le droit d'utiliser le père pour la laver parce que, bien sûr, elle va être dégueulasse. Donner un bain à Sansa. Alors, c'est bien, c'est que... Comme c'est un labrador noir, ça se voit pas trop qu'elle est dégueulasse. Mais bon, visiblement, les volutes de fumée autour d'elle... Mais si, il va revenir. Pourquoi vous voulez me porter la poisse comme ça? Attendez, je trouve un ami. Si demain il revient pas... Moi j'ai surtout peur parce que quand même ça fait un petit moment qu'on... Enfin elle a été bambin pendant un moment. J'ai surtout peur qu'il devienne ado avant qu'on ait le temps de faire les 3 farces à l'école. Ça me fait très très peur. Mais on verra bien. Alors, ah bah c'est bon, elle a obtenu le meilleur score. Magnifique! Est-ce que j'ai la place de mettre... Non, j'ai pas la place de mettre une échelle orientale. Je sais pas. Horizontale, peut-être. Donc, bah, t'ira au parc. Je trouve un parc avec une échelle. Je sais pas où je vais trouver ça. Je sais plus où c'est, je sais plus où j'habite. Je joue aux Sims depuis... aux Sims 4 depuis des années et je sais pas où sont les parcs. Tout est normal. Allez, non, bah tu vas dormir dans le lit, c'est mieux. C'est mieux. Je crois qu'il y a une échelle horizontale au parc de Oasis Spring. On ira voir ça demain. Enfin, d'abord, on va rappeler Alexandre et puis après, on ira voir. Bah tiens, on va aller au parc avec Alexandre. Voilà. Je suis sûre qu'il y a moyen de combiner les deux pour qu'il devienne mon meilleur ami. Tu veux pas aller dormir, toi. Il reste un lit, un canapé, une baignoire. Tranquille, hein, tu peux aller dormir comme tu veux. Non, bah non, il veut pas dormir. Il préfère que le chien lui tourne autour. Au moins, si ça peut l'empêcher de se rebarrer. J'espère qu'elle est pas pleine. Hein. Parce que ça m'arrangerait pas d'avoir toute une portée de chiots. Voilà, ouais, si ça vient de devenir ami, c'est cool. Tu m'en diras tant. Bon, allez, on dort. Et en se levant, on ira manger des céréales pour changer. Un coup le yaourt, un coup le jambon beurre, un coup les céréales. Faut alterner. Et ça s'appelle une alimentation variée, équilibrée, etc. Bon, au niveau des jours, je pense qu'on est large. 48, bon, ça va. Ça va, de toutes les façons, maintenant, on sait que quand les tâches sont terminées, on peut passer directement à la suite. Donc, ça va résoudre beaucoup le problème de qu'est-ce que je fais, j'ai tout fini. Comment ça se passe? Allez, bah, quand tu veux, tu vas manger. Et puis après, pipi, et prendre une douche. Ah, parce que comme ton frère est devant le frigo, tu peux pas manger, bien sûr. Sinon, ça marche pas. Vous pouvez pas être à deux devant le frigo, c'est bien connu. Le frigo est individuel, il ne sert qu'à une seule personne. Allez, à la douche. Voilà, elle a pas pris sa douche, hein. Ah, pas envie. Ok, c'est pas grave. Tu vas aller à l'école. Je crois qu'on n'a pas fait nos devoirs, par contre. Avec tout ça. Ça va pas être facile. Bon, bah, c'est mort pour les devoirs. On verra ce soir. Tant pis. On fera pas les devoirs. Allez, à l'école. Bon bah du coup, comme il n'y a plus d'amis à se faire, parce qu'on a Alexandre, tu vas pouvoir travailler dur. Réviser assidûment. Ça compensera un petit peu le fait qu'on n'ait pas fait les devoirs. Peut-être que ça permettra
d'équilibrer un petit peu les choses. Alors, Julia part travailler, magnifique. Allez, on est parti, attendre. Ouais, la convention geek est en ville. Eh ben, on n'ira pas. On n'ira pas à la convention geek. Alors, oh bah ça y est, alors lui... Et il est tout seul à la maison, il y a 3 lits, un canapé, mais non, il dort par terre. Ouvrant, hein, on s'en fiche de ça. C'est pas Lola. Tu voyais qu'il veut revenir. Séchons les cours et allons nous promener. Vous voyez, c'est même pas moi qui le rappelle, c'est lui qui revient. Donc, finalement, ça lui a plu. Mais je peux pas, je suis déjà en cours. Allez. Si tu veux que je sèche les cours, faut m'appeler avant 8h du mat, tu vois. Faut m'appeler à midi. Parce qu'à midi, je ne suis plus là. Bah, tout le monde est barré, dis donc. Ouh, youhou. C'est cool. On peut avancer rapidement. Magnifique. Lola doit... Ouais, vas-y, bah invite Alexandre. Voilà, très bien. Ah, pourquoi t'es triste encore? Mais pourquoi? Pourquoi? Oula. Il est où, ton pote? Bah, il est où? Ah, il est là. Allez, viens, mon ami. Plus de choix amical, demander conseil, plus de choix amical, demander comment s'est passée la journée, plus de choix, non pas action, amical, parler de l'école, plus de choix amical, faire une référence culturelle, rien que ça, amical, enlacé, c'est bien, on devient pote là. Il y a du niveau. Ah bah je veux qu'il est gentil, hein. Il vient de lui-même, on n'a même pas besoin de l'inviter. Pas besoin de le forcer, il débarque. Allez, on va devenir amis. Enfin, on est déjà amis, on va devenir super pote, tu vas voir. Voilà. Allez, magnifique. Là, je sens notre amitié au summum de... Amical. Faire connaissance. Mon Dieu. Tu feras gaffe, t'as plus de cheveux, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Il y a tous les gosses du quartier qui passent. Salut. Voilà. Hop, amical. Plus de choix. Non, mais reviens. Reviens, Léon. Non, bah il veut pas revenir, c'est pas possible. Alors, il est gentil, il revient, mais il veut pas faire ce qu'on lui dit. Ah bah, oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, il fait pas sportif. C'est sûr qu'Alexandre Gauthier, il fait pas sportif de l'année. Hein. Mais bon, des fois, on sait pas. Hein. On peut cacher une âme de sportif de haut niveau. Bon, on peut pas devenir meilleur ami, là. C'est pas bon, on n'est pas assez... On n'est pas assez potes, là. Je te complimente, tout ça. J'illumine la journée. Voilà, magnifique, amical. Non, bah, on peut pas toujours être potes. Enfin, on peut toujours pas être potes, plutôt. Ouais, alors Alexandre, il ressemble quand même beaucoup à son père, après. Donc, j'avoue que c'est pas facile quand ta mère c'est Sonia Gauthier et ton père. Voilà, c'est pas facile d'être un enfant gothique quand même. Je dois faire semblant. Ouais, on prend un selfie. Ouh, magnifique, c'est bon. Ça, ça veut dire qu'on est amis pour la vie. Hein. Non, toujours pas. Bah non, toujours pas amis pour la vie. On va sauvegarder un peu parce que mon jeu m'a fait des choses bizarres. Lors du dernier let's play sur la jungle, genre à me faire un arrêt, c'est arrêté de fonctionner en revenant de la jungle, donc je voudrais pas que, voilà. Une sauvegarde, ça fait toujours du bien.
Non, toujours pas, hein. Toujours pas ami. Enfin, toujours pas meilleur ami. Ami, bon. Je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on devienne super ami. Plus de choix. Je vais exploser la compétence sociale. Qu'on sera pas meilleur ami encore. Voilà, amical. Révéler un secret bien enfoui. Complimenter. Ah mais là c'est bon, là on peut peut-être... bons amis, ouais. On avance. Plaisanter sur les animaux bizarres. Pourquoi il court lui? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'es content de retrouver ta mère. D'accord, bah fais-toi plaisir. Écoute. Faire une référence culturelle. Jeune disciple, provoque le karma et le karma viendra à toi et après le karma te tuera. D'accord. Ok. Pourquoi pas? Alors par contre, Alexandre, visiblement, préfère la peluche à Lola. Ça va poser problème, ça, parce que la peluche, elle va pas devenir ton amie. Elle ne va pas devenir ton amie. Par contre, elle va devenir ton amie. Plus de choix amical. Illuminer la journée. Le choix amical. Parler des jouets. Le choix amical. Demander un, c'est passer la journée. Faire l'imbécile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu pour varier un peu tout ça? Parler de l'école. Amical, complimenter. T'es gentil, toi, on le comprend. Elle est gentille, Lola. Elle est pas méchante. Devenir complice. Ouais, ça c'est bon. Déjà, on est devenu... Voilà, on est devenu complice. On va pouvoir faire des misères à tout le monde à l'école. Et on peut pas devenir meilleur ami aussi. Ça, on n'en parle plus. Je t'invite plus jamais. Et puis après, je peux me concentrer un peu sur mes notes, les devoirs, tout ça. Lier une amitié exceptionnelle. Ah bah voilà. Pour toujours. Meilleur ami du monde entier. Voilà. On est devenu meilleur ami. C'est bon, tu peux te rentrer chez toi. Et hasta la vista. Hein. Alors, on se voit demain à l'école pour faire des bêtises. Est-ce que ça va faire monter ton divertissement de faire ça? Je ne suis pas sûre, mais... ça peut être marrant. Sinon, tu iras dans la piscine. Non, pas bâclé. Oh, oui. Tu fais soigneusement. Mais non, mais bon, maintenant j'ai plus trop besoin de lui, donc je vais pas non plus l'embêter. Enfin, tu vois, je vais pas m'enquiquiner à le faire venir tous les soirs alors que j'ai autre chose à faire. J'ai même pas lu ce que c'était. J'ai vu que c'était pas pour Lola. J'ai cliqué sur le premier truc. Alors, est-ce que ça va faire monter? Pas du tout. Ça fait pas du tout monter ton divertissement, ces choses-là. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être falloir penser à l'école. Hein. C'est bien beau, les meilleurs amis, tout ça. On va pouvoir faire des bêtises, mais... peut-être pas falloir avoir des dés partout non plus. Voilà, c'est bien. Ramener des sous. Allez. Parce qu'après, il faut qu'elle aille faire un peu... elle va aller faire un petit peu de piscine. Puis pas trop longtemps parce qu'il est déjà 22h. Je suis pas sûre qu'on ait fini le projet pour ce soir. Moi, bon, je crois qu'on va arrêter. Allez, hop, on arrête là.
Demain, on se concentrera sur les devoirs. Fais des longueurs. Pourquoi je vais ouvrir à chaque fois? J'ai tellement l'habitude qu'il y a à manger. Céréales et... Oh merde, ils dorment tous les deux dans le lit, je peux pas aller dormir. Tant pis. Elle va avoir des monstres toute la nuit. Et ça, c'est moche. Voilà, magnifique, elle est contente. Allez, mange tes céréales. Enfin, t'aurais pu nager un peu plus, hein, parce que là... Je peux pas dire que c'est fait monter plus que ça. Plus que ça, ton divertissement, mais bon. Allez. Ah bah attends, va dormir dans le lit, là, puisqu'ils dorment plus, eux. Au moins, tu dors... Qu'est-ce qu'ils ont cassé encore? Ils ont cassé le frigo. Mais ça coûte cher, un frigo, les gars. Oh non, celui-là, il vaut rien. Voilà, c'est pas grave. En fait, tu veux que je privatise toutes les pièces de la maison et que je laisse les parents dehors dans le jardin, quoi. Genre entre le banc et le pot de fleurs. C'est ça, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça que tu veux faire. Alors. Putain, c'est logique. Non, mais viens pas me réveiller parce que t'as vu un monstre, toi. Ah, c'est bien, tu réveilles ton père. Très bien, magnifique. Donc, tu ne réveilles pas ta sœur. Quand elle se sera réveillée, elle ira nager ici. Pour essayer de faire monter un peu ce divertissement avant d'aller à l'école. Ah, de toute façon, il n'y a pas un qui dort. Lui, il va pas dormir, il a peur des monstres, il préfère dormir comme un clochard sur les bancs publics. C'est son kiff. Allez hop. C'est vrai que c'est cassé ça encore. Ils sont pénibles de tout casser. Ils sont pas capables d'utiliser les choses sans les casser quoi. Bon. C'est long la nuit. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire ce que je veux faire. Allez hop, lève-toi. Hop, attendez, vous énervez pas. Va manger. Allez, tes céréales. Les toilettes. La douche. Et puis écoute, à défaut de nager, tu vas jouer à commandant du clavier. Si t'as le temps. Voilà. Allez, go. Un petit pipi, une petite douche. Et un petit peu de jeu avant d'aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Elle a cassé les toilettes. Sans rire. Je sais pas pourquoi je répare les trucs en fait. Maintenant c'est simple. Hein. Tant que j'ai pas besoin, je répare pas. Hein, parce que... Ils vont me ruiner. Allez. C'est parti. Ah bah voilà, ça fait monter ton divertissement, forcément. Allez, pas beaucoup monté, tu vas à l'école. Ah, alors est-ce que je peux choisir du coup faire des farces, maintenant que j'ai un complice et qu'il est à l'école? Si c'est le cas, il faudrait que je puisse faire une farce. Allez, vas-y, quand tu veux. Tu peux le faire. Alors... Non, je peux pas en fait. Comment je fais ça? On va réviser ça. Peut-être que je sois joueuse ou un truc comme ça, non? On va essayer. Il faut mettre un panier de basket. Pourquoi tu veux que je mette un panier de basket? Pourquoi faire? Je comprends pas. Je comprends pas. Alors. Ah, je peux pas faire des blagues. C'est une flexion machin là. Non, je peux rien faire. C'est bizarre.
Il va falloir inviter Alexandre. Ah bon? Pour faire des blagues, faut que je l'invite. Mais c'est des blagues à l'école, normalement. Je comprends rien. On va essayer de devenir joueuse. On va prendre un bain demain matin avant d'aller à l'école. Va finir un télo. La peau. Après, c'est pas une tare d'être un télo non plus. Tu vois, il en faut, hein. Combien qu'il y ait des gens intelligents, quand même. Je vais pas dire que... Bon, allez. Parce que normalement, t'as pas fait tes devoirs. T'as pas fait tes devoirs, t'as pas fait ton projet.